pas si ça arrive pas, mais dans les quatre coins de la République, le motif tout ban, non seulement ban habitants, mais ban institutions, secteur privé, nous collaborer ensemble pour nous continuer à nettoyer nos pays. Comme vous connaissez, le gouvernement fin toujours et quand même des bonnes priorités pour nous capables de continuer à protéger l'environnement, continuer à faire des choses qui nous évoluent et nous vivent dans un environnement qui est plus propre encore. Et c'est pourquoi qui nous finissons beaucoup d'initiatives que le gouvernement prend. D'ailleurs, Maurice, nous, joli pays, c'était une des bonnes initiatives. Là, nous avons un programme qui nous va le faire, qui est piloté par le National Environment Cleaning Authority, qui nous promet 10 gouttes. Et donc, comment vous dire, il y a un paquet d'initiatives que le gouvernement fait prendre. Mais seulement, pour nous réussir, gouvernement, institution, tout seul, pas suffit. Nous visons à écouter de toutes les organisations non gouvernementales, les fausses vives, les habitants de chaque endroit, comment nous pouvons gagner ici, aujourd'hui, comment nous trouver, collaboration de tout, y compris bien sûr de jeunes, hein, surtout. Et du bon qui nous continue, sensibilise aussi la population. Pas juste qui nous fait une bonne action, nous fait nettoyer, mais surtout, nous posons la question, qui fait nous trouve saleté un peu partout en général? C'est parce qu'il y a du monde qui est saleté. Mais nous ne sommes pas capables de continuer qui, d'un côté, nous ne pouvons pas respecter l'environnement, nous ne pouvons pas une considération non seulement pour nous l'endroit, mais pour nous-mêmes et pour nos familles. Et surtout qui, pour nettoyer, mais quand même, malgré qu'il y ait une bonne volonté, mais bonne institution, il coûte l'argent. Bonne district council, bonne les autres autorités qui nettoyaient, mais dépensent gros l'argent.